Bonjour à tous et à toutes, je suis Ravis et bienvenue pour un fan game. Ouais, ça fait un long moment que je n'ai pas présenté de fan game, parce que c'est toujours compliqué de trouver des jeux intéressants qui ne soient pas des copier-coller, qui soient plus travaillés que juste changer quelques environnements et autres que du RPG Maker. Mais pour aujourd'hui, bah écoutez, j'ai trouvé un petit jeu qui s'appelle Kirby and the Eternal Paradise. Je ne connais rien du jeu, si ce n'est que dans la description vous pouvez trouver la page itch.io du jeu si ça vous intéresse. Et aussi parce qu'il y a des petites règles si jamais on veut speedrunner le jeu. Et ça c'est super cool, ça c'est un bon point que je mets dans la création de ce jeu. Je n'en sais pas plus, du coup je vais jouer, je vais découvrir le jeu et on verra bien ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les contrôles. Très bien. D'accord, alors le mieux c'est toujours de découvrir dans le jeu. Alors, je joue à la manette. Donc, déplacement classique. On a A pour aspirer, B pour sauter. La gâchette droite pour s'abaisser. On a un blocage avec la deuxième gâchette. Et c'est tout. Et je crois qu'on peut dasher pas encore. Alors on a différents niveaux et on a nos points de vie. Très bien. Alors commençons par là. Alors collecter des étoiles vous permettra d'ouvrir les portes des boss. Ah et donc ça c'est nos points de vie. Très bien. Ok. Donc si j'avale que je fais pas pour les digérer, je peux choisir parmi plusieurs sorts. Très bien. Ok. Et évidemment, on peut voler avec Kirby. Ok. On a différentes attaques, très bien. Ouais, il y a déjà des petites strats pour runner le jeu. Oh, il y a déjà des petites strats pour runner le jeu, j'aime bien ça, moi. Est-ce que je peux recracher mon pouvoir? Ah oui, avec LT, je peux stocker mon pouvoir. Oh. Et après, j'ai un cutter. Et donc, je peux switcher de pouvoir. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ok, là je ne peux pas passer. Je vois, et je peux complètement enchaîner. Ah, il y a plein de petites attaques en fonction des directions que je prends. Ok. Ah. Intéressant, intéressant. Aïe. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai récupéré un cœur. À quoi ça va servir? Ah, et voilà un boss. Bon. Ça va aller relativement vite, je pense. Ça va très très vite, ouais. Et donc là, je peux l'avaler, non? Ah, c'est soit je l'avale, soit il se détruit. Très bien. Ah, j'ai plus assez de vie par contre là. Ouais. Ah,
Ah, 125 pièces. Ah oui. Un deuxième cœur. Alors, ça c'est mes pouvoirs, très bien. 70, c'est ce que j'ai, c'est bon. Ah, c'est l'arbre, ok. Complètement ah, j'allais dire on pouvait complètement en finir avec le jeu, mais finalement je me suis fait avoir. Ça m'apprendra. Alors, oh, aïe. Ouais, par contre. Ah bah quand on n'a pas d'armes, c'est pas la même. Hein. Aïe. Aïe. Ah, j'ai trouvé que 3 cœurs sur 4. Donc il y a 4 cœurs à trouver dans chaque niveau. Et après, faut que j'en trouve plus. Faut que j'y trouve tous pour accéder à la fin. Oh, intéressant. On va se tenter le deuxième niveau quand même, histoire de voir un peu plus. Ham! Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec un ham? Ok. Ok. Ah, je peux rebondir. Et la sword, bien sûr. Enchaînement. Très bien. Collectionner les 4 morceaux de clés, les 4 clés cachées pour continuer. Mm-hmm. Très bien. Ah non, non! Ah l'idiot! Ah l'idiot! L'idiot man! Voilà. Ah donc même stun il me met des dégâts, d'accord. Et sur technique to move the block. Mais technique Ah dans mes techniques Ok. D'accord.
Ah, il faut faire un dash, ok. D'accord, le dash c'est la gâchette et bas. Enfin, et saut plutôt. Intéressant. Ok. Ah, je peux faire une charge. Ouais, mais là, je peux rien faire. Exactement, je peux rien faire. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Le jeu est amusant, le jeu est amusant, il y a plein de petites choses. Ah, c'était juste pour... Ah non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Bien sûr. Dis donc. Oh. Des points. Oh, 45, pas mal. Alors, ah, on descend avec bas, ok. Il faut faire attention de ne pas retomber. D'accord. Voilà. Et donc là j'ai toutes les clés. Ok. Ah. Ah. Ah, j'ai pas les 160. Dommage. Oula. Ok. C'est du shmup, ok. C'est du shmup classique. Ok. Aïe. Ah non, c'est bon, pas besoin de marteler le bouton, juste en le... en laissant appuyer, ça fonctionne. Ok, oula, deuxième phase. Ok, et plus je suis prêt, plus je peux lui mettre de dégâts rapides. Et c'est gagné! Eh ben c'est cool. Le jeu est très très cool. Ouais, ouais, ouais. Le jeu est très très cool. On va voir un petit peu les crédits. Ah, tous les concepteurs, tous les artistes. Ah, c'est beau. Ça fait un petit peu... Ah, évidemment, merci à Nintendo, qui ne supprimera, je l'espère, pas ce fan game. Bien sûr, ce sont des gens sympas. Bah écoutez, petit fan game, petite vidéo, j'aime bien, je suis content d'avoir découvert. On a fait deux niveaux, mais si les deux niveaux là sont aussi bons et que le reste des niveaux sont du même acabit, je pense que ça peut être un très très bon fan game. Comme d'habitude, je vous laisse le lien de la page itch.io en description si jamais ça vous intéresse. Téléchargez-le gratuitement et puis faites vos retours au développeur qui continuera sûrement d'avancer dans la création. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, fan game, j'espère que ça vous aura plu.
Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux qui vont s'afficher dès maintenant. Et me suivre, évidemment, sur les différents réseaux pour ne pas rater l'actu. Que ce soit de ma vie, de Twitch, du streaming ou même des vidéos, on ne sait jamais. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour une autre vidéo.